Ce qui m'entraîne dans la nuit blanche de la page, à m'élancer depuis la marge jusqu'à la scène. Ce qui m'entraîne à rêver de plus en plus large, cherchant dans mon livre d'images plus vaste plaine. Ce qui m'entraîne du fond des bois, du fond des âges, du fond des gorges, du langage, du fond des veines. C'est qu'il y a, du moins, le crois-je, un sillon ou juste un sillage vers la vie pleine. C'est la mesure, c'est la monnaie complémentaire du bassin romanais, roman bord de péage. Ça, c'est 10 mesures. Ça, c'est 20 mesures. Comment est-ce qu'on fait? Et alors, on a même, regarde, on a même 0 mesure. Parce que quand on n'a plus rien, on a encore quelque chose à donner. On a toujours 0 mesure. Voilà, c'est qu'on a pris conscience qu'en fait, bah, nous aussi, on avait ce pouvoir-là de fabriquer une monnaie. Et c'est une monnaie qui a d'autres valeurs, en fait. On essaye de redonner à l'argent une simple valeur d'échange, qui n'y a plus de spéculation dessus. Donc c'est une monnaie qui est fondante, elle a des timbres derrière. Et quand ces timbres sont dépassés, la monnaie ne vaut plus rien. Pour le moment, quand on achète des mesures, les euros donc, que l'on donne pour acheter la mesure sont au crédit coopératif. Mais le projet, ce qui est en train de se mettre en place, c'est qu'une partie de cet argent ne soit pas replacée, parce que sinon c'est encore un peu une banque, hein, le crédit coopératif, même s'ils gèrent l'argent différemment. Mais là, le but, ce serait que cet argent soit utilisé tout de suite et qu'il puisse servir à des prêts pour des gens locaux qui ont besoin d'aide, à 0% bien sûr. Donc ça serait de l'argent qui pourrait être utilisé deux fois en fait, pour repenser l'argent plus sainement, voilà, qu'elle soit plus à la portée de tous. Comment ? C'est peut-être même pas recommandé. Ah ben, c'est pour ça que je payais à l'avance. Ah oui, j'avais jamais entendu parler de ça. Si, tu m'en rappelles. Échapper au désastre. Ça me met trop tôt. Justement. Justement. C'est complètement autogéré. Donc ça, vous le ferez aussi. Mais peut-être que là, voilà, regardez en tête, dans vos têtes, la réflexion possible que... Si là, ils décident quelque chose aujourd'hui sur bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, nous là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la créativité ou en tout cas l'attention des autres, déjà, elle se fait pas d'un coup. Si vous sentez que le groupe a besoin de continuer, allez-y. Voilà, l'idée c'est vraiment ça. Ok, donc les quatre principes, les personnes qui se présentent sont les bonnes, ce qui arrive et ce qui pouvait arriver, ça commence quand ça commence, ça finit quand ça finit. Et la grande loi, si vous n'êtes ni en train d'apprendre, ni de contribuer, passez à autre chose. Quelle finance solidaire pour nos territoires ? Faire en sorte que la jeunesse s'intéresse plus à ce qui se passe dans notre société et s'en mêle davantage. Et ensuite, je propose aussi... Comment est conjuguée écologie humaine, écologie sociale, écologie environnementale dans un projet ? Créer des cyclopousses pour les trajets courants, centre-ville, grande surface. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vont conduire en voiture et si on pouvait conduire en vélo, ce serait bien. Et recenser les travaux de bénévoles vers les agriculteurs débordés. Voilà, il y a beaucoup de jeunes retraités qui pourraient aller venir demain chez les agriculteurs. Je ne sais pas comment on pourrait l'organiser. Ce serait créer une école libre. C'est se révolter, manifester, changer, partager pour sortir des inégalités de la société et être dans le respect de la terre. Voilà. C'est-à-dire faire des actions.